Le samedi soir, vers 20h30, tous les restaurants sont complets. Ils n'ont eu aucun temps pour s'y préparer puisqu'ils devaient fermer les portes à minuit. C'est clair qu'on a été réellement choqués parce que c'est la première fois en presque 10 ans que la boîte est à l'arrêt complètement. On développe des solutions principalement autour de la réservation pour les restaurateurs. Finalement, juste avant que la crise arrive, on était dans une super dynamique. On était sur un rythme de croissance qui a été jamais aussi rapide depuis les 4-5 dernières années. Donc vraiment, on n'a pas vu cette crise arriver. La première chose qui nous est venue à l'esprit avec mes associés, c'est comment aider nos clients. Du coup, notre équipe technique, dès le lundi, s'est mise à bosser et a sorti en 4-5 jours un module de vente à emporter en repartant de la base de notre moteur de réservation. Et puis, on a développé un système de bons d'achat qui permet à un restaurant donc de vendre des repas qui sont prépayés par les clients qui veulent soutenir le restaurant et sa trésorerie et qui pourront les utiliser dès la réouverture. On a aussi mis en place des webinars donc pour faire intervenir des experts sur différentes thématiques pertinentes pour les restaurateurs. On a fait le premier cette semaine avec plus de 350 participants. On a fait intervenir un expert comptable qui a partagé donc tous ses conseils sur comment refaire son budget 2020 après la crise. On aura testé vraiment les limites de notre boîte dans les pires conditions et la confiance avec nos clients ressortira encore plus forte. Ça va nous permettre demain d'aller encore plus vite et de soulever des montagnes.